avant nous bâtir là, on a présenté quelques renforcements à l'opération que la police fait, avec un incident qui arrive et tout, naturel, et bien ça. Nous connaissons les zones côtières, c'est une zone qui a un peu de problème. Il y a des très souvent assassinats qui ont fait. La police est décidée par moi et de la frontale là. Et mettre un nouveau team au niveau de 15 anglais, une façon pour essayer de contrôler les cas, faire une opération dans la zone côtière. Et stimule vous ça, je viens avec la police administrative à côté des anglais. Pour patrouiller les zones vidéo, pour empêcher les gens qui ont une présentation sur une exposition pour distribuer de l'action d'ailleurs, pour empêcher, pour contraindre dans l'action que vous avez menée. Ensuite, le nouveau CAI, les armes policières qui étaient perdues, qui étaient venues lundi, Bruno, qui est un ami policier, une date du 5 septembre, samedi 5 septembre, les environs de 8h du soir. Et la police a mené une opération dans la zone du Mabou pour récupérer les armes. Mais pour nous dire, nous dépensons la police avec 16 cartouches. Et la police qui fait les armes en opération venue avec 12 cartouches. Et dans deux mains, nous avons fait un peu de monde qui a tué des marous. Nous avons fait 4 cartouches sur nous. Ça va sembler vraisemblablement que c'est les armes policiers que nous avons tué des qui a tué nous a fait des marsonnés. Et pour nous connaître que dans le lot, il y a Pierre-Michel qui lui-même. Qui a fait, qui voulait faire la paix de Bouton, c'est lui-même qui était dans un cas, en tout cas, ce policier. Et d'autant plus, il y a un mardi 15 septembre, ça c'est regrettable, du côté du gouvernement, il y a un pile à pluie qui est tombé, il y a un agronome ingénieur qui est le Sénat, et Ken Sandé, qui est arrivé à tes côtés malheureusement, qui mourut dans une guerre. Et nous profiter de présenter le condamnation à la famille. Il y a une organisation qui est assise du côté de Hollande. Et hier soir également, l'opération commissaire du gouvernement du Coto, qui est venue avec le bureau, la police administrative, qui était trois membres à rechercher. C'est Dégué Daris, Livens Richard et Fala Saint-Jour. Malheureusement, il y a deux la République qui est sauvée. Il est arrivé à mettre les mains sur Fala Saint-Jour pour le rechercher de l'association de malfaiteurs et vol de bétail. Concernant les différentes activités qu'on a présentées, pour le service de la circulation, au pays il y a 36 accidents qui ont été faits, 54 accidents corporels et 7 personnes qui ont mouru pendant que la chaîne est là. Et pour la SDPJ, il recevra 160 000 blettes, il traite 119, 50 qui ne sont pas traités, 56 qui ferment qui ont été faits, et 5 interventions qui ont été faites. Pour le service de la BPM, c'est Brigade de protection des mineurs, nous recevons 3 plaintes contre viol, et il y a un mandat qui est décerné, et 2 agressions, et il y a 2 personnes qui ont arrêté dans le cadre de viol. Et pour agression sexuelle, il y a 2 personnes que la police a arrêté à arrêter. C'est l'agneau Jean-Fénol qui a arrêté du côté de Fond des Blancs, dans la 25 août, pour agression que le fait sur une demoiselle. Il y a Théodore Olson, il y a 15 ans, qui est arrêté dans la même date du côté du fond des Blancs, pour le même chef d'accusation. Et un monde qui est arrêté pour viol, il y a Pierre Denis Barilom, qui a 23 ans, qui est arrêté le 17 août à Boujoli, sous mandat du commissaire du gouvernement. Ensuite, il y a Christophe Frenel, qui est dit non, la Halle, qui est 28 ans, qui est arrêté tout pour viol, qui date 1er septembre du côté de Vieux-Bourg-Dakin. Il y a Fodoros Wilson, alias Jimmy, qui lui-même a 17 ans, qui a arrêté le 8 septembre du côté de Cavan à Boileau, pour même cas de viol. Maintenant, pour des cas de vol, il y a Chéri Grégo, Sémézé Benel, Saint-Germain Original, et Tino Jackson, trois mouns a été arrêtés pour vol de motocyclette, en date 24 août et 5 septembre. Il y a Charles Léonel qui a arrêté du côté de Camperin pour complicité pour poser vol moto. Il y a arrêté trois mounes pour détournement de mineurs. Trois mounes aussi. Eli Emmanuel Gentino Mano, 35 ans, qui a arrêté en date 8 septembre à Dixia. Il y a Préval Elga qui a arrêté par la SDBJ, qui a 15 ans, en date 8 septembre également du côté de Brefet. Et Bouilly Jean-Marc, qui a 25 ans, qui a arrêté du côté à la rue Chapoudin pour détournement mineur. Maintenant, concernant les différentes autres infractions, comme détention illégale d'Amafé, la police a arrêté 9 personnes de détention illégale d'Amafé. Qui est sur ce Saint-Hermé Wendler, qui est un petit lambert, qui a 22 ans, qui a arrêté le 14 août à AK.
matin. Et Espérance Alendi, il est un petit comique, 23 ans, qui a été député dans son illégal et association de malfaiteurs du côté du Mont Séjour à Aquin également. Du côté des Coteaux, il a été trois mondes, c'est Léger Stevenson, Hilaire Seren, Riser Nikenli, il y a 23 ans, qui a été dans la 21 du côté des Coteaux. Maintenant, Okaï, il a arrêté Laurent Joseph, pour port de détention illégale d'Amafeu, dans la 18 août. Il y a Doton Jacqueline, 28 ans. Lui, Mackenzie, 30 ans, qui a arrêté dans la 30 août du côté de Formont, pour détention illégale d'Amafeu. Il y a Lorsi John, qui a 22 ans, qui a arrêté dans la 11 septembre à l'hôpital Immaculée Conception Légale pour détention illégale d'Amafeu. Maintenant, pour trafic illicite de stupéfiants, il est arrivé à arrêter 5 membres, qui c'est Lionel Simori, 37 ans, Richard Ricardo, 37 ans, Yeley Germaine, 36 ans, Dorc Saint-Marc-Antoine, 39 ans, qui est arrêté du côté des CAI pour trafic illicite de stupéfiants en date 15 août. Pour usage de stupéfiants, le traité Kembe avec Marion Amita Fumé, c'était Fortune Stanley, 19 ans, Darlene Herbens, qui est un homme 18 ans, Buto John Peter, Buto John Peter, Jordanson, qui est un Jordan, 23 ans, qui a été dans le même data pour usage de stupéfiants. Le monde qui a arrêté pour tentative d'assassinat, c'est Vancol Evans, alias Mando, 17 ans, Samir Gaspard, 42 ans, Lotin Jean-Maxon, 31 ans, petit frère Damien, 37 ans, Veillard Doxy, 48 ans, Dorval Samson, 21 ans, Titoun, 35 ans, qui est arrêté dans la date 8 septembre au CAI. Maintenant, pour association de malfaiteurs, il y a 4 monde qui a arrêté. Tikwendik Okelem, il y a 60 ans, qui a été arrêté à Aquin. Il y a Trésil Enol, qui est un ancien, il y a 43 ans, qui a été arrêté au CAI. Il y a Jean-Pierre Jean-Bilaire, qui a 50 ans, qui a été merci. Et il y a Valsin Vignien, alias Toy, qui a été arrêté le 13 septembre à Dima. Toy, ça fait partie de mon gang, Chicana, village Antoine Simon. Spécialisé dans le volet moto, ensuite les armes dans le milieu des fois à faire non seulement ce monde dans un endroit de ce monde et pour la radio. Donc, ce monde est arrivé pour mettre pendant la période ça, c'est du côté de Chantal qui est Pascal Célité qui est arrivé pour mettre sous Billy Smart dernier qui vient 34 ans dans la date 4 septembre. Au total, pour période là, la police a arrêté 176 membres conjointement avec la justice. Il y a 75 qui a arrêté avec mandat et 101 en flagrance. Et la ville de Cali même seule qui a arrêté 77 membres en gros. La police rivée saisit 7 armes à feu. Nous rappelons dans le week-end, l'opération que la police dans Jacmel a menée, Kodjo Dapral saisit 5 armes à feu et pas moins de 1000 cartouches. Et côté là, et l'abbé Israël et Malange Batelmi, tu as arrivé à joindre l'arrestation, tu as arrêté Mounsayo du côté de Lamandou dans le domicile. Donc, tu as 3 pistolets avec 2 fusils. Donc, en tout, 7 armes à feu arrivées saisies, 1000 munitions et 13,4 kg marijuana et 13 interpellations. Et il y a un cas de kidnapping, un cas de monde qui est kidnappé, mais qui arrive libéré. La police, d'abord, c'est une institution régalienne. La police, pas une bande armée. Et c'est ça même qui fait faire différence à ça où il y a une bande armée. Nous tous, nous sommes témoins, nous avons une bande qui est armée, elle sortit, elle tire, j'enlève. Li tire dans la direction vle, sans y pas tenir compte des standards internationaux et nationaux. Ce que la police là, lui-même, li pas qu'à faire. Et c'est ça qui fait différence là, entre la police là et bande armée là. Ok? Donc, la police pat là, comme si pour le tal faire une répression, dans la mesure où c'est à la police qui gagne l'attitude pour déterminer à quel moment de la durée il est capable d'intervenir. Donc la théorie de l'opportunité d'intervention, c'est la police qui gagne. Donc c'est la police là qui gagne pour déterminer à qui moment il a intervenu et à qui moment intervention pas possible. Et pour qui ça?
li kon sa. Li kon sa parce tout simplement principe la police la même li pa la pour faire yon grain innocent victime. Te gagnent des centaines de moun dans la rue. Mais c'est pas tout nan yo qui était armé. Effectivement nous reconnaître te gagnent moun armé nan yo, mais c'est pas tout nan yo qui était armé. À ce moment-là, comment ou même ou t'a pral comprendre que la police intervenue, échange de tir et puis population civile qui pas armée a en grain nan yo t'a tombé. Moi déjà connais qui ça société a t'a pral dit et qui ça peut-être nous même comme journaliste nous t'a pral dit. Heureusement la police là sont institutions responsables, li gen des responsables k'ap dirijil et li surtout là pour pas nan mission li pa gen pour la faire canage ou bien pour la faire propagande pour faire moun wè que la travail, mais nan mission li gen pour protéger tout moun et li gen pour arrêter moun k'ap fè désordre et traîner yo par devant autorité de droit.